Bonjour à tous. C'est pas de l'argent que je veux. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La nouvelle, c'est que après la mort, il y a le paradis ou l'enfer. Où veux-tu aller? Tout le monde dira, je veux le paradis. Mais quelles sont tes œuvres? Parce que pour être sauvé du péché, il faut donner sa vie au sauveur du monde qui a marqué l'histoire et s'appelle Jésus. Et Jésus de Nazareth n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas religieux. Dieu veut se révéler au cœur des pécheurs que nous sommes, des adultères que nous sommes, des voleurs, des racistes, des impudiques, des homos que nous sommes. Je parle de hommes en grand H, mes amis. Regardez l'état du monde. Le monde est malade et on a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Dieu existe. On ne vient pas du singe ni du hasard. Au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui existe et il t'aime. Je te dis la vérité, il t'aime. Il veut te sauver de tes péchés. Repends-toi de ta masturbation, ton alcoolisme, ton viol. Repentez-vous, mes amis. Ne mourrez pas dans vos péchés. T'as quel âge? 60 ans? Il te reste très peu de temps. Très peu de temps, mes amis. Très peu de temps. La vraie retraite, elle n'est pas sur terre. La vraie retraite, mes amis, commence avec Jésus-Christ. À savoir, avoir la vie éternelle. Venez à lui, vous serez sauvés. Seigneur, la Bible vous suffira. Grâce à Jésus-Christ, je suis marié. Je ne suis plus ma femme. C'est un miracle. Il vous aime. Bonjour à vous. Je vous aime. Ah oui, bah ok, la question. C'est mort. Chez eux. Ça a d'après bizarre. Ça a d'après. Wow. Ça fait des années que je suis.